Où ai-je donc mis mes gants et mon éventail, Marianne? Allez les chercher à la maison. Bah, le lapin blanc m'a pris pour sa servante. Quelle toupette! Bon, au moins, il a ouvert la porte. Allons voir à quoi ressemble sa maison. Un clapier en bois? Tapissé de feuilles de pissenlit? Oh, que nenni! Une belle maison. Tout ce qu'il y a de plus coquet. Sur la porte d'entrée, on peut même lire L.Blanc. C'est chic. Des petites marches bien cirées mènent à une chambre impeccablement rangée. Sur la table de chevet, une bouteille est posée. Et si je buvais un peu, peut-être grandirais-je? Bingo! Voilà que je pousse comme un champignon, que je m'allonge comme un salsifis. Et ça ne s'arrête plus. Au secours! Un bras dépasse par la fenêtre, un pied coincé dans la cheminée, mais bientôt le toit va s'effondrer! Voulez-vous bien sortir de chez moi? C'est le lapin blanc! Oh, mais quelle drôle de façon de parler! Moi aussi, je peux être désagréable, hein? C'est ce que je ferais si je le pouvais! Ça? Des petits cailloux s'abattent sur moi. Qui ose m'attaquer? Oh, les cailloux se transforment en gâteaux. Avalons-en un. Délicieux. Un deuxième? Oh, évidemment. Et un troisième? Avec plaisir. Ce gazouille? C'est chatouille? Hourra! Je rapetisse!